rumeur, approchez-vous, plus près, encore plus près, et t'as vu, dans la soirée du vendredi 13. C'est un jeu d'horreur. Par les créateurs de Shindon. Dans la soirée d'horreur, mais nous allons passer une agréable soirée ensemble. Dans cette froideur et obscurité du vendredi 13. Dans ce chat qui se met dans les années 40. Ou 50, ouais, 60. C'est petit qui est souvent dans Fallout. Oui, c'est un cercueil, aventurier. Mais faites le bon choix. Dans le quartier chinois. Deux militaires se mourraient la gueule. Allez, mon gars. On ferait mieux de retourner au navire. Waouh. Stop. Regarde un peu ça. Quoi? On dirait que Charlie le bourreau des cœurs va nous montrer l'étendue de son charme. Si je me battre. Hé, donne-moi une pièce. Pourquoi? Bah, pour connaître ton avenir. C'est parti. Qu'est-ce que t'as pour moi, papy? Ouais, c'est franchement... C'est un shaker. Ben, j'aimerais savoir ce que va devenir mon gosse. Est-ce que ça va aller pour lui? Comment il va s'en sortir dans la vie? Ben, on dirait un poisson. La mort? Attendez, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce délire? C'est complètement une dame. Quand c'est sacré, ils ont fait beaucoup de sacré. Hey, vieux, laisse-moi un peu essayer. Ah ouais? Tu te crois meilleur? Me battre? Ouais? T'as une autre pièce? Ta note s'allonge. Je vais tenter ma chance.
suis pas trop mauvais à côté. Ouais, on dirait que c'est moi le nouveau roi du carreau. Roi des gratteurs. Franchement, je suis sur ce malade. Hey, Chuck, on devrait retourner au navire. Je voudrais pas rester coincé là. Allez, quoi, laisse-moi poser une autre question. Non, vraiment, il faut qu'on y aille là. J'ai pas le truc le plus important quand même. A-t-il la platine à ce jeu? Oui. Qu'y a-t-il dans cette caisse? Vous le saurez, aventurier, vous savez tout! On est gros étrangers dans les contours de l'histoire! Est-ce que c'est la TNT à bord? Hé vieux, dis-moi, il y avait 50 cents alors? 50 cents? Quel 50 cents? Hey, allez, arrête! Hé, hey, dégage mon gars! Laisse personne me bousculer! Diagnostic, ces hommes m'ont tout l'air d'être sous comme des cochons. Allez, amenez-moi donc celui-là à l'infirmerie. L'autre, fichez-le-moi au trou. Et qu'il y reste. Quelque chose de régné. Ce serait des momies. Une malédiction. Putain, merde! Il a été tué.
dans un full d'argent. Ouais, tu vas quand même plus vite que Nishnon. Hein. Je sais plus c'est quoi, je crois que c'est 20 minutes ou 30 avant qu'il y ait l'horaire dans le jeu. Ah non, mais le but commençait déjà avant, j'ai oublié. Avec la disparition des deux sœurs. Ok, ouais. Des joueurs ont des conséquences, aventurier. Ça n'a rien à voir avec les trophées. Salut Charlie. Alors, les vacances? Dépêche-toi de me faire sortir d'ici. Qu'est-ce qui se passe dehors, bon sang? Il y avait un avion, et puis des tirs. Ouais, je sais. Et j'ai trouvé un cadavre. Quoi? À l'infirmerie. C'est pas bon. Tirons-nous d'ici.
Ils ont amélioré ça pour avec une onde qu'il fallait mettre direct. Fallait pas bouger et toucher la manette. Bon, ça reste quand même un QTE chiant. Mais qu'est-ce que... Ça, quand tu les perds, je peux te faire. C'était quoi? Bête! La bête de Zen est de retour! Ça me tue rapide. Hé! Charlie! Aide-moi! On peut plus rien pour lui. Mmh, je vais le retrouver derrière, ok. Ouais, ouais, là. Putain de merde. Un autre cadavre? Oh, c'est qui ce putain? Buckley. La dernière fois que je l'ai vu, c'était au mess et il pétait la forme. Oh, le pauvre gars. Cette vue, c'est très perturbante. Ah, c'est là. Hey, c'est moi ou il y a vraiment une atmosphère bizarre ici? Tu trouves que j'ai la tête d'un gars qui se soucie de l'atmosphère? Cette caméra est comme angoissante. Qu'est-ce que je disais? Hé, hey, Jack. T'as vu le gamin là-bas? Non. Est-ce que tu te sens bien?
Charlie, il y a par ici. Ça sent le cul, tu es avec le Thompson. C'est pas vrai. Charlie! Yes, ça zombie. C'est une invocation. Ah, je comprends. Allez, bon, c'était lancé. Mayday! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Merci, excusez-moi. Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Oh, c'est pas vrai! Tu vas marcher, oui! Qu'est-ce qui se passe ici? Won't you spare me over till another year? C'est pas le psy, le petit nom. Too
Ouais, c'est pas la même gueule. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans ma collection. Je suis le conservateur d'histoire, d'histoire d'amour et de haine, de beauté, de convoitise, de vie et de mort, d'histoire comme celle-ci. Je serai en charge d'écrire l'histoire que vous raconterez. Il n'en existe pour l'instant que des fragments. Ce sont vos choix qui la compléteront et qui détermineront si le sort de ceux qui vous accompagnent est de rester en vie ou bien plutôt... de périr. Généralement, les choix que l'on fait sont dictés par notre boussole morale. Puis il faut vivre avec ces décisions ou mourir à cause d'elles. Mais ne craignez pas la mort, car elle est après tout inévitable. C'est le prix à payer pour avoir vécu, et cette fin inéluctable attend chacun de nous. Cela dit, personne n'a envie qu'elle arrive trop tôt, n'est-ce pas ? Comme dans la vie, toutes vos actions auront un impact. Les choix que vous allez faire affecteront tout le monde. Je suivrai votre progression de près. Je ne suis pas censé intervenir, mais il se pourrait que je sois parfois d'humeur à vous donner un indice. En voici déjà un. Des photos cachées ça et là pourraient vous révéler de potentiels futurs. Si vous les trouvez et que vous les analysez, elles pourront vous aider à prendre... des décisions plus avisées. Ou devrais-je dire, des décisions qui auront les conséquences que vous souhaitez voir. Ce sera tout pour l'instant. Nous nous reverrons bientôt et nous aurons l'occasion de revenir sur les actions que vous aurez menées ou le chaos que vous aurez causé. Dans les histoires d'horreur, Man of Medan. Un homme pieds nus, avec un cul de rêve. Une bonne cartouche de bière. Le canard. Le canard de Milan. Ça suffira ? Sinon, on réussira toujours à se réapprovisionner. Au fait, j'ai jamais été là-dessous. Là-dessous ? Sous l'eau. En plongée. Tu pourrais me montrer comment font les pros ? T'es sérieux ? Bah... quoi ? T'es vraiment venu ici sans avoir pris une leçon de plongée ? Bah ouais... Je voulais le faire, mais j'ai pas eu le temps, j'ai dû bosser tout l'été. Ouais, c'est bon, je comprends. Wow, fais gaffe ! Cette caméra, elle est vraiment super chère. Tu sais quoi ? Sois relax. Quoi ? Julia et Conrad, ils sont... comment dire... carrément plein aux os. Donc ? Arrête de criser pour rien, mec. C'est pas cool. Me fais pas regretter de t'avoir emmené. Bah, tu sais que je suis pas très sociable au premier abord. Oh, laisse tomber. La ferme. Brad, je t'ai pas amené ici parce que t'es mon frère. Enfin, t'es mon frangin, mais... c'est parce qu'on est potes, tu vois ? Si on veut. On est venu ici pour décompresser,
On s'éclatait, entre potes. T'es parti dans ton délire ou quoi? Je veux juste qu'on passe des vacances légendaires. Ça boit du frôler, on va te les rouler. La cavalerie approche. Cool. Désolé d'être un peu à cran, c'est que... Je pensais pas que faire médecine serait si stressant. Sans déconner. En plus, cette relation à distance, avec Julia, c'est pas évident. Ça fait quoi? 2 semaines, mec? Hein? Ouais, ça tombe bien. Quoi? Conrad pense qu'on est limite en bière. Ah, eh ben je vais mettre celle-ci à la brie alors. Ouais. Il n'y a pas le secret. Hé hey. Au fait, tu pourrais te demander un truc? Ouais, quoi? En fait, c'est assez important et je dois prendre une décision. T'hésites à finir médecine? Non, mais... Tu vois, ça risque de changer à jamais ma vie, tu comprends? Je suis pas sûr de faire le bon choix. Suis ton instinct. Si c'est le bon... Tu le sauras. Caméra des glaces. Oh, pardon. Conrad, voici Alex. Eh, hey, salut mec, Conrad. Méfie-toi. T'es un peu con. T'es un tombeur, un vrai. Content de te rencontrer enfin. Et lui, c'est Brad, mon petit frère. Salut. Bradley, j'ai l'impression de te connaître. Alex parle souvent de toi. Ouais, bah, enchanté. Allez, c'est bon. Salut. Ça te dit une petite mousse? À chaque seconde. Bah, ça fait beaucoup de secondes quand même. Sérieux, j'aurais 10 minutes. Ouais, trop bien, ouais. Ah, cool. Ah, j'adore la bière. T'as les chances, fils. C'est cool, Brady, cool. T'as vraiment le vent, poulpe. C'est poupe. Eh, hey, c'était une blague. T'as déjà fait de la plongée avant? Ouais. Carrément, des tas de fois. Cool. J'avais pas envie de me retrouver avec un naze. Ah, non. T'inquiète. À force de plonger, j'ai des branchies qui ont poussé. Et toi, tu plonges beaucoup? Ouais, ça... Arrivé 2-3 fois, tu vois, quand j'étais en vacances. Quand tout à coup, Jean-Claude arrive. Où est le capitaine de Stade Ferraille, d'ailleurs? Non, je... Je vous inviterai bien à faire comme chez vous, mais... Tout le monde est à bord et prêt à partir? Où ça peut les glaces qu'à venir? J'avouerai. Attends, mais... Par le mètre est presque déchargé. C'est là pour la mer, j'ai pas envie de demeurer, attends, je suis prêt. Un peu con. Et qui sait, tu pourras peut-être la vers le stream. Ce que j'aurais à faire, je vais pas dépasser 11h, je suis au tube. Vous savez, les droits d'auteur, tout ça, on l'a dans le cul, comme d'habitude. Pourtant, on l'aime avant.
Eh oui. C'est samedi, je suis partant. Cinq aventuriers, cinq ouf gueule. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? C'est ça, te retiens pas. Ouais. Ton haut est très moulant. Peut-être t'allonger. Ouais. Je devrais faire ça. Eh ben. Alors, voyons ces images. Pourquoi pas par là-bas? Ça fait un peu loin quand même. Bah, j'essaie juste de trouver des idées au cas où on trouverait rien sur la caméra sous-marine. Écoute, pour être honnête, j'ai jamais entendu parler de cette épave. En général, ces trucs-là grouillent de plongeurs. Ouais. Ça a rien à voir. Moi, tout ce que je dis, c'est que s'il est trop tard, je connais des coins sympas où plonger, tu vois? Pour le fun. Je fais confiance à Brad. S'il dit que l'épave est là, elle est là. Ok, c'est toi le boss. Mais faut pas oublier qu'à un moment, il va faire nuit. Je vais aider Conrad et Julia avec la caméra. C'est quoi? Je vous laisse admirer ça. Les calculs de Brad étaient aux petits oignons. Toujours se fier à Brad. Ouais, il est génial. Faut le remercier. Fliss, on a trouvé un avion. Hein? Ouais, la Seconde Guerre mondiale. On est prêt à plonger. Normalement, on est censé le déclarer aux autorités portuaires. C'est une épave inconnue. Ouais, normalement. Vous êtes sûr de vouloir enfreindre les règles? Bah, si on nous interroge, on plongeait, et c'est là qu'on l'a vu. Qui le saura? Quelle règle? On est où, là? À la maternelle? Il fallait que je le dise. Si on va jeter un petit coup d'œil, qui peut le savoir? Bon, ne traînez pas, alors. Et surtout, ne touchez à rien. Ah, oh, j'ai vraiment trop hâte d'être la première en bas. Vous vous rendez compte? La preuve. On a l'air vraiment con. Vous devriez être paré à plonger dans pas très longtemps. Je m'occupe des bouteilles. Les gars font les dernières vérifs. Jette un œil à la caméra, vois si tu trouves quelque chose d'utile. Ça roule. Hé, tu devrais peut-être parler à ton frère. On pourrait rentrer par ce temps. Salut. Salut, chérie. Le matériel va pas tarder à être prêt. Encore merci d'avoir payé pour tout ça. C'est cool d'avoir du bon matos. Quoi? Tu sais que la taille de mon compte en banque est pas en compète avec celle de ton pénis, hein? Mais s'ils étaient en concurrence, je m'en sortirais pas mal. Bah, si on prend en compte l'inflation, franchement, je suis pas très emballée par notre capitaine. Ouais, je sais. Tâchons de rester cool, ok? Quoi? Cool? Ce serait pas malin de se la mettre à dos. Si elle essaie encore une seule fois de m'empêcher de plonger, c'est bon. J'explose. D'accord, mais... la provoque pas. Parfait.
Je vais préparer les recycleurs et on fera le point sur les dernières étapes. Cool. Reviens-nous quand t'as fini. On dirait bien que c'est un faux. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Tu sais comment ça marche ? Non. Pas vraiment. Vaudrait peut-être mieux le laisser tranquille. Ça va ? Comment ça va ? Désolé, j'aurais jamais dû boire cette bière. Hey, ça fait partie de l'aventure. Désolé de gâcher cette expédition. T'inquiète, il en faut plus pour gâcher le voyage. Repose-toi, remonte quand tu te sens mieux. J'ai l'impression que Julia a embarqué toute sa garde-robe. Ça peut sentir bon vu le tarif. Au moins, ça lui a plu. C'était un crâne. Salut. En fait, s'il y a des règles en mer, c'est pas pour rien. Alors il faut que vous les respectiez. Fliss, on a payé cher pour pouvoir faire cette plongée. Exactement à cet endroit. À chaque fois que j'emmène des gens comme vous en mer, c'est la même chose. Aucun respect pour les coutumes des autres. Sérieusement, ce sont des règles on ne peut plus basiques. Dis-moi, t'as quelle expérience dans ce genre de plongée ? Et toi, t'as de l'expérience ? Excuse-moi ? Je sais ce que dit ton faux certificat, mais je connais pas la vérité. Me dis pas que t'es allé fouiner. T'as pas confiance ? Ce faux certificat est seulement temporaire. L'ancien a expiré et ça coûte un bras de le renouveler, d'accord ? Et cette plongée devrait couvrir la facture. Mais c'est pas vraiment ce qu'on appelle suivre les règles, pas vrai ? Donc ça vaut pour nous tous, non ? Pour info, ça pourrait très bien être un cimetière militaire. Le profaner serait illégal et immoral. Tu sais quoi ? Faites-vous plaisir. Mais respectez les règles dans l'eau. Et vous avisez pas de faire un truc qui me mettrait dans la merde. Refle ses yeux.
Ok. Bon. Voici le recycleur. C'est bien mieux que le matos de plongée habituel. Il récupère tout le CO2 qu'on devrait normalement expirer dans l'eau, et ensuite, il le recycle entièrement. Et il réduit le temps de décompression quand on remonte. Trop génial! Ok. L'oxygène, c'est fait. Tête de linotte, faut vérifier ton oxygène avant. T'es belle, Julia. Qu'est-ce que ça va être quand tu seras mouillée? Hé, t'es en train de parler de ma frangine, là. Absolument. Allez, mes gentils petits têtards. Je vais aller voir ce que fait Fliss. Et surtout, pas de bêtises. Besoin d'un second, capitaine? Je suis à votre service. T'abandonnes jamais, toi, hein? Alors, ils vont plonger ou quoi? C'est que l'attente doit être interminable, mais bon. Ça sera bientôt. J'ai un bon harpon. Ouais, c'est ce qu'on raconte. Ah ah. Tu t'en es déjà servi? Sur un requin? Non. Et ne pas les règles, surtout. Peut-être qu'on pourra la rallumer ce soir pour fêter notre plongée en privé. Et tu vas apporter ton harpon? La porte de la cabine va trembler sur ses gonds. Dommage que Fliss soit si coincée. On dirait qu'elle croit qu'on va piller l'avion. Eh, un souvenir, ça serait cool. Personne ne verrait s'il manquait juste un tout petit truc. Si tu te tais, je dirais rien. C'est pas comme s'il pouvait inspecter l'épave tous les soirs. Là. Cette forme. Ça doit être l'avion. Oh, regarde-moi ça. Je l'imaginais vraiment pas aussi grand. La vache. Il est plutôt en bon état. C'est vraiment incroyable comme découverte. Faisons le tour de l'épave pour trouver une entrée. Oui, capitaine. Ton commandant en second peut t'offrir une bière? Toi, t'es pas mon commandant en second. En troisième, alors? Non. Ton dévoué garçon de cabine. Ah, toujours pas, non. Ton beau client, qui te paye grassement pour voyager sur ton bateau, aimerait bien partager avec toi ce délicieux liquide ambré et frais. Ouais, je veux bien. Il est vachement bien, ton bateau. Où t'as trouvé le fric? Tu sais que c'est pas poli d'interroger les dames sur leurs finances? C'est pas faux. J'avais dans l'idée d'acheter moi aussi un bateau et je me disais que tu pourrais sûrement me conseiller un peu. Ce serait un plaisir de pouvoir t'aider à vider ton épargne. Tu sais quoi? Je crois que je ferais bien de m'occuper du fonctionnement de mon bateau. D'accord. La météo est bonne. Je vais surveiller ces nuages. Oh oh, on dirait qu'on a de la compagnie.
Duke of Milan, à 20 000 au nord de la côte. Terminé. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire? À vous. Quelles sont les prévisions météo sur ma zone? À vous. Un front de dépression approche de votre position depuis le nord-ouest. Tonnerre, éclair, vent de 21 nœuds. Restez sur vos gardes. On passera vous voir demain matin. À vous. Merci pour l'info, mais on maîtrise la situation. Terminé. Je garde ces tableaux, moi. Comment tu te sens? Sonné par une petite bière. Merde, je me sens trop nul. Hé, t'es en vacances, là. T'as le droit de lâcher du lest. Je vais lancer une asso anti-alcoolique. Je serai tout seul. Et je serai membre à vie. J'espère que les tourtereaux passent un bon moment en bas. J'espère qu'ils savent ce qu'ils font là, en bas. Il faut pas déconner à 20 mètres sous l'eau. Alex fait l'idiot, mais il a obtenu son diplôme de plongée haut la main. Est-ce que t'es proche de ton frère? Je le connais par cœur. Alex obéit à Ju. Petit bourreau alcoolique, toi. Ce n'est pas grave, on écrivera tous ça, je te jure. Je rigole, je m'envole ça avec Nicolas Coach. Quand une pluie, toujours des bourdes une chaise, radio. Il y a au doigt et à l'œil. Oh, va falloir que je remonte. Hey, please. Là, un bateau.
Qu'est-ce qu'ils veulent? Déjà, c'est pas les gardes-côtes. On va pas finir au trou. On est censé faire quoi, là? C'est très... louche. Tiens-toi tranquille et dis surtout pas de conneries, ok? Gardez vos distances, j'ai des clients qui sont en pleine plongée. Hé, on a eu des dégâts, vous voyez? Regardez notre bateau! On va régler tout ça, hein? C'est pas un problème. Ça ferait combien? 10 dollars en tout? Oh, oups, pardon, disons 20 dollars. Ah zut, vous diriez plutôt 30 dollars? C'est pas un problème. Eh ben, vous êtes sacrément dur en affaire, mais je comprends. Hop, ne jouons pas les radars. Est-ce qu'il est possible? La tourelle, on peut entrer par là. Bon, on gaffe. C'est peut-être dangereux. Quel gentleman! J'aimerais prendre une seconde pour dire... Oh, bon sang, Alex, on a réussi! Oh, t'arrives à y croire, sérieux? Julia, arrête! Faut que t'enlèves ton équipement pour passer. Ça vaut pas le coup. Ce tuyau est pas large. Et si tu te retrouves coincé sans recycleur? Arrête de faire le relou. Ça va aller. Relou? Sérieusement? Je suis mort? C'est quoi ce délire? Décoince-toi un peu, Froussa. La moindre connerie ici, tu meurs.
c'est simple, tu comprends? Je sais ce que je fais, ok? Pas besoin de garde du corps. C'était un avion de sauvetage. Il venait d'une base américaine. Il était parti aider un navire. Des impacts, tout le long du fuselage. Brad va halluciner quand il verra ça. Regarde ça. Ils ont installé des canons de sauvetage dans le porte-bombe. Étonnant. Il manque un des canons de sauvetage. Peut-être qu'ils s'en sont servis. Faudrait qu'on essaie de voir si on peut pas trouver quelque chose d'autre. Bon sang! Il tient quelque chose. Waouh. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On dirait bien qu'ils se sont vus mourir. T'entends ça? Allons voir. Pas mal. Ça aurait pu être pire. Pilote et copilote, j'imagine. Mourir dans un crash d'avion, ça doit vraiment être horrible. Je suis pas en cutieux là. C'est bon, y'a pas de cutieux. Juste un requin dressif. Il s'intéressera pas à nous. Tirons-nous. Attends. D'accord. Il disait que c'était le bon moment, mais... Là, je suis plus trop sûr de moi. Je crois qu'il n'y a pas de moment idéal. Non, en fait... Oh! Je sais que ça soit pas comme on est sous l'eau, mais... Je me suis mis à genoux. Julia? Veux-tu m'épouser? Et merde. Alex, je suis désolée, je voulais pas. C'est juste que... Vous venez de passer à deux doigts de la mort. Julia,
Je suis sérieux. Alex, je... C'est que... Ça tombe mal, je sais bien. Ça tombe vraiment très mal. Je suis désolé. Désolé, j'ai vraiment été trop con. Non, s'il te plaît, ne t'excuse pas. J'ai seulement besoin d'y réfléchir. Genre, tu sais, quand je serai plus sur le point de mourir tout au fond de l'océan. Fils, ici Julia. On va remonter. À toi. Hé, d'où est-ce qu'il sort ce bateau ? On doit d'abord décompresser, là. Wow! Merde! Putain, il faut qu'on remonte, vite! Hé! On doit décompresser! Ah, merde. Ouais, ok. Les paliers, ouais. Tiens, encore quelques secondes. Ça y est, c'est bon. Go, go! On pourrait savoir ce qui se passe? Il s'est passé quoi? Relax, hein. Tout est sous contrôle. Il y a eu un petit souci avec le barbecue. Waouh, j'ai cru que le bateau prenait feu! Tu jettes l'argent dans l'océan? Des pêcheurs ont surgi et se sont pris dans le dévidoir. Oh, je comprends mieux. Ouais. Conrad a proposé de les dédommager, mais ils étaient à cran et ils ont filé. Peu importe. On s'en tape. Le plus important, c'est... Vous avez vu quoi? Ah, eh ben, l'avion. Il est énorme. Avec plein de trucs cool. Malheureusement, on l'a pas laissé dans le même état qu'on l'a trouvé. Hein? Quoi? Le dévidoir, justement. Et donc? Pour commencer, il n'y a plus de cockpit. Vous vous êtes surpassé à ce que je vois. Vous commencez à connaître ces aventuriers intrépides. Alex et son petit frère Brad, toujours prêts à sauter dans le grand bain. Mais on dirait qu'ils perdent un peu pied. Et Julia, le grand amour d'Alex. Si seulement c'était réciproque. Que dire de Conrad? Plutôt téméraire, n'est-ce pas? Ou pourrait-on dire arrogant? Et la capitaine Fleece, forte, directe, têtue. Elle semble presque insensible au charme de Conrad, pour l'instant du moins. Ne vous inquiétez pas, tôt ou tard, ils finiront par apprécier vos précieuses décisions. Beau travail. Est-ce que l'avion était bien préservé? Brad, c'était dément. C'était comme voyager dans le temps. Sans deck. C'était comme voyager dans le temps et atterrir au pif dans une autre dimension où le passé est sous la mer et où tout est envahi par des coquillages. Et des requins. Des requins? Il n'y avait qu'un seul requin. Oh. Eh, un seul, ça suffit. Conrad n'avait pas dit qu'il devait nous filer des bières après avoir aidé Fleece? Peut-être qu'il s'est dit, je vais en boire une, et qu'il s'est saoulé.
Comme il est ivre, il a zappé de nous en ramener. Et il a tout sifflé tout seul, sans penser à nous. Vu comment tu le racontes, j'ai l'impression que c'est du vécu. Ouais, je le pratique depuis toujours. Ok, je vais aller voir. Oh, on a aussi trouvé une balle dans l'avion. Ah. Je l'ai laissée en bas si tu veux l'examiner. Je peux savoir pourquoi t'as dit non ? Je croyais que c'était la bonne décision. Je comprends plus rien. Je croyais que ça collait entre nous. Je sais que c'est pas la réponse que t'attendais, mais c'est ce que je ressens. Julia, je suis complètement perdu là. J'ai eu très peur de l'avion, ok ? J'ai merdé. J'aurais dû dire oui. Je regrette d'avoir dit non. Mais tu penses pouvoir le refaire ? Me donner une autre chance ? Recommencer ? D'accord. D'accord. Ouais, ok. Je t'aime, Alex. Tu le sais, hein ? Mais oui. Moi aussi. Où sont passés les autres ? Je vais les chercher. Reste ici, à la cool. Hé, hey, t'as vu mon frère ? Ou Fliss ? Non, J'étais distrait. Faut les trouver. Ouais. Donc, c'est laquelle, tu sais, là où la magie opère. Au nom de toute notre famille, je suis désolée que mon frère se comporte comme un véritable chien en rut. Oh, t'inquiète. Je sais les dresser, les chiens. Conrad, les bières, elles sont où ? Ah ouais, les bières. J'allais les chercher. Ok, maintenant qu'on est tous ici, regardons la feuille de navigation qu'on a trouvée. Comme ça, on va peut-être réussir à savoir ce que l'avion faisait là. Où tu l'as mise ? Dans ta valise. Ok, je vais la chercher. Hé ! Est-ce que ça va ? On dirait que t'as l'air préoccupé. Non, ça va. Pardon. Je crois que j'avais la tête ailleurs. Ça a été la journée ? À part notre petit tête-à-tête avec les pêcheurs, c'était cool. Les gens racontent tous qu'ils ont déjà plongé, mais Alex et Julia ont vraiment l'air de savoir ce qu'ils font. Donc, on va plonger demain ? Ouais, ça me paraît un coup trop... Relax, Brad. Combien de fois je dois te dire de ne pas faire ton trouillard ? Hé, est-ce que t'as la feuille ? Désolée, j'étais ailleurs. T'inquiète. On va la chercher. Je l'ai. Allez, viens. Viens ici, ma beauté. Tout doux, beau gosse. Il faut qu'on remonte. Je l'ai. Qui pourrait résister à ça ? Écoutez tous, visez ça. L'or de Mandchourie. Qui veut trouver un trésor enfoui ? C'est quoi ça ? Une position ? Des coordonnées, c'est sûr. C'est peut-être là calé l'avion ? Tu crois qu'on peut y être d'ici demain ? Ça ne prendra que 2 heures si la météo est stable. Waouh ! Une autre découverte ? Il y avait un plan de vol à bord qui semblait indiquer que c'était un avion de sauvetage. Ouais, ça se tient. Après la guerre, ils ont pris des bombardiers pour les sauvetages. Cet avion a dû être abattu parce qu'il était criblé d'impacts de balles.
J'en ai déniché une dans le fuselage. Et il était rempli de canaux. Il a dû être abattu avant de pouvoir tous les livrer à destination. Il y en avait qu'un qui manquait. Putain, mais vous êtes dingue. Excuse-moi. Je vous avais dit de ne rien remonter à la surface. Oh, ça va, on va pas encore parler de ça. C'est pas la loi qui me fait peur. Fleece, hey, ils ont fait attention. Non, vous n'avez rien écouté. Quoi que vous ayez pris, c'est déjà trop. Oh, ça va. Personne ne sait qu'on a plongé là-bas. Et je pense que les fantômes diront rien. Vous, les Américains, vous êtes tous pareils. Jamais aucun respect pour les croyances des autres. Vous n'auriez jamais dû plonger pour explorer cette épave. C'est trop dangereux. Vous pensez pouvoir tout piller sans faire face aux conséquences, mais tout ce que vous prenez est doté d'une essence. C'est comme remonter un fantôme à la surface. C'est parti. Ah, j'avais pas réfléchi à ça. Réfléchir, c'est pas vraiment ton fort. Bah, en même temps, j'avais jamais entendu d'histoire aussi flippante. C'est pas une histoire flippante. Ce n'est pas pour rire. Des gens se sont noyés ici, et vous devez respecter l'endroit où ils reposent. Ouais, c'est clair. Brad, t'as pas une histoire flippante, toi ? Ouais, j'en connais une. Elle a eu lieu dans le coin aussi. Vas-y. C'est cool, les histoires qui font peur. Vas-y. Je suis sûre que tu racontes bien. C'est un peu flippant, à vrai dire. Fais-nous peur, frangin. Ok. Je me lance. Cette histoire est vraie. Et c'est passé près d'ici. Dans un très vieux phare. Le décor typique. Hein ? Une histoire vraie ? D'où elle sort ? Si tu veux le savoir, elle provient directement des pages en décomposition d'un vieux magazine qui était dans l'avion qui nous a amenés jusqu'ici. Le vieux phare dominait tout un atoll, abandonné du reste du monde, une balise dans la nuit, le seul abri en mer. Le gardien du phare entendait les vagues frapper les rochers de la rive. Par un matin brumeux, il voit soudain une femme, couverte de sang, trébuchant sur la plage. Il se rue pour l'aider et elle s'écroule dans ses bras, en pleurs. Pendant qu'il l'accompagne jusqu'au phare, il lui demande d'où elle vient. Ah ben, il perd pas son temps. Cool. S'il pouvait changer de disque. La femme lui dit : je vis là, dans ce vieux phare. Mes parents m'attendent en haut. Wow. Bien sûr, le gardien du phare répond que c'est impossible, qu'il vit seul depuis des années. La femme pète alors les plombs et répète que ses parents sont en haut. Alors, il monte en haut du phare, et là, gisant sur le sol, un homme et une femme, sauvagement assassinés à coups de hache. Encore une hache ? Les gens s'en servent encore pour couper du bois ? Ok, bon, alors un crochet de boucher. Ils étaient suspendus au plafond et éventrés par un crochet. Attends un peu, tu viens de remplacer l'arme du crime ? Je croyais que c'était une histoire vraie. Il y avait du sang partout. Un vrai carnage. Qui sait ce qui s'était passé ? Ok, donc, qui l'a fait ? Alors, la femme, toujours folle hystérique, avoue que c'est son mari. Et qu'il est là, dans le placard. Ouais, le mariage, ça craint. Alors, le gardien du phare se dirige vers le placard, ouvre la porte et, en effet, il y avait bien un homme. Mais il s'était arraché les tripes avec le crochet. Horrifié, il s'approche de l'homme pour voir son visage dans le noir, plus près. Plus près. Et il voit que l'homme, c'est lui. Et là, le mort ouvre les yeux et hurle. Oh, c'est trop horrible. Bravo, super la chute. Ouh. C'est nul, c'est pas flippant. N'écris jamais de bouquin. J'ai marché à fond, t'as géré. C'était un peu ringard, mon pote. Ok. Allez, on s'est super bien marré. Mais il faut aller se coucher, il y a un orage qui vient vers nous. Non, parce que conformément aux règles de navigation, il faut prendre une autre bière avant d'aller se pioter. D'où tu sors ce règlement ? C'est le protocole institutionnel et réglementaire de notre chère Navy, alinéa 19.9. Je vois. Et t'as lu ça où ? Internet. Oh, t'as trouvé un site qui conseille de boire de la bière en toutes circonstances. Je ne fais que suivre les ordres, dame. Mais ce site a l'air super. Tu l'as dit, mon pote. Ouais, sans moi. C'est pas de l'alcool. Non. Même si les fluxions sont plus en 13.
Ah si, encore moins une traite. Il est où, le petit fidèle? J'ai les yeux, mes genoux. Mes gros boulots. C'est l'heure du gris, le voiturier. Le duc du Milan. Le canon du Milan va attaquer. Discuter à la suite.
Julia. Ça va? Ouais, je crois. Ça aurait pu être pire. T'es sérieux, là? Je vois pas comment ça pourrait être pire. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est sans doute les pêcheurs que j'ai envoyés bouler tout à l'heure. Oh, putain de merde, Conrad. Cool, génial. Et la bonne? Je les ai reconnus. Oh non, tu te fiches de nous? Je pensais que vous seriez content de le savoir. T'es vraiment trop con, putain. Hé hey. Alex, tu crois qu'ils vont nous faire du mal? T'en fais pas. S'ils voulaient nous tuer, ils l'auraient déjà fait. J'ai pas seulement la trouille que ces mecs me tuent. Les gars, je crois qu'il faudrait qu'on se détache, et vite. Et merde, ça marche pas. Allez. Allez. Fumier. Je reviendrai m'occuper de toi plus tard. Personne ne sait que vous êtes ici, ma petite demoiselle. Vous êtes à notre merci. Alors essayons de nous entendre. Tu peux bien aller te faire foutre, sale petite merde. T'as entendu la demoiselle? Sait-y prendre avec les femmes. Stop! Je t'en prie, arrête. Tout doux. Relax. Ça va. Je te conseille de rester sage, mon petit gars. Ferme-la un peu. Je crois pas qu'ils vont la frapper. Ils ont rien fait à Fliss. Fliss a l'air de faire ami-ami avec eux. Est-ce que t'as vu mon frère? Ouais. Il se planque, il va bien. Ok. Tourne-toi. Bien tes mains. Quand Julia reviendra, on
pourra les choper par surprise. Ça y est, ils arrivent. Non, bordel de merde! Julia, dis-moi ce qu'ils voulaient. Ils voulaient des infos sur nos parents. Quoi? Pour savoir s'ils sont riches. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre de voir ce qu'ils vont faire de nous. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. 8 secondes. L'orage est à 8 bornes. Ils sont venus en bateau. On peut peut-être le piquer. Ouais. Cool, un hors-bord. Mais leur chef, il a un flingue. Ben, l'un d'entre nous peut atteindre leur bateau. Chercher de l'aide. Si vous arrivez à les distraire, je peux aller au bateau. Le mec avec l'arme se rendra même pas compte que j'ai disparu. Que 7 secondes. Je peux passer par la fenêtre. Il faut d'abord qu'on pète ces trucs. C'est trop risqué, trop bruyant. On n'a qu'à les péter sur le coup de tonnerre. Ah, bien vu. Je passe par la fenêtre et je vais au bateau. Et vous, faites diversion. Conrad, je... Fais bien gaffe et rejoins le bateau. Ok, allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hé, mais qu'est-ce que tu fous? Vous faites quoi, merde? Allez, va au bateau. Va te faire foutre. À des amateurs. Chris, je me charge de ça. Laisse-moi faire. Qu'est-ce que tu fous, abruti? Fais gaffe, c'est ta bêtise. Réfléchis avant d'agir, mon grand. Fonce! Allez, va jusqu'au bateau! Ce gamin essaie de me buter, Olson. Jamais avec cette vieillerie.
laisse tomber. On le rattrapera jamais avec cette vieillerie. Vas-y, fous-les en bas. Prends ça. Et hésite surtout pas à tirer. Assis. Par là-bas. Toi, ici. Assis. Ah, t'as essayé de les faire tous mourir. Arrêtez, bande de cons. C'est bon, bateau. Stop. Ferme-la, ou je te mets mon poing dans la gueule. Bon, alors lequel d'entre vous pourrait me cracher ce qui sait sur cet or de Mandchourie? Ne me fais pas de soucis pour Conrad. Eh oh ! Fermez vos gueules ! Discuter, ça n'a jamais fait de mal. Tu veux causer ? Alors tu baisses d'un ton. Eh, hey, allez, on fait que parler, c'est tout. Là, ferme. Le capitaine réclame le calme. Vous la fermez. On bouge pas, assis. Quoi ? Ramène-toi. Tu te demandes combien de temps l'orage va encore durer ? Si tu tentes un truc, quoi que ce soit de débile, je te jure que tu le regretteras. Compris ? Jukov Milan pour prévision météo. À vous. Bien reçu, Duke. Est-ce que tout va bien ? À vous. J'aurais besoin de toutes les infos que vous pouvez nous donner sur l'orage. L'ambiance est un peu électrique, là. À vous. Un gros orage arrive de l'est. Il a bousculé un peu, mais il devrait quitter votre position en moins d'une heure. Vous avez l'air stressé, Duke. Si vous avez besoin d'aide, dites-le moi. D'habitude, c'est pas un peu de vent qui vous arrête. Ouais. Ok. Tout va bien ici. Je survivrai à quelques bourrasques et un peu de pluie. Merci pour l'info. Rendez-vous à terre dans 2 jours pour prendre un verre ensemble. Toi,
Tout va toujours beaucoup mieux quand on s'aide les uns les autres. C'est pas vrai? Putain, j'aurais pas loupé le coup de clé là, ça faisait. Ça pourrait nous être utile. Brad reste caché. Il est bien mieux en bas qu'avec ses gros tarés. Ah ouais, top, il pourrait mourir en bas. C'est plus un gamin. Ça va aller. C'est certainement mieux pour nous qu'il reste planqué. Eh bien, on dirait que nous avons déjà une première victime. C'était un choix osé. Pas malin, mais osé. Puisque je suis un être au grand cœur, j'aimerais vous offrir un petit aperçu de ce qui vous attend. Qu'en dites-vous ? Vous refusez mon aide ? C'est très louable, admirable. Sans doute stupide. Nous le saurons bien assez tôt. Enfin, maintenant que vous avez atteint un certain désarroi, j'imagine que vous avez hâte de reprendre votre histoire. Mais sachez que parfois, les apparences peuvent être trompeuses. Je n'aurais sans doute pas dû dire ça. Ah, j'ai fait une partie full d'aide. Il me fallait le choix irrationnel.
Merde. Mais on est où, là? Nom de Dieu. J'espère qu'on est les seuls ici. C'est compris ? Par ici. Hé ! C'est comme si on était dans un piège à rats qui prend l'eau. C'est bien, vous êtes une bonne. J'ai pas signé pour des vacances à Chelouville. Qu'est-ce qu'ils vont faire de nous maintenant ? Ils font des tirs, hein, quand même. Ça dit ça, regarde. Hudson, il y a une porte ici. Allez, bande de nazes, entrez là-dedans. Toujours avec nous, capitaine. C'est quoi ce putain d'endroit ? Bon, quel que soit ce bateau, il faut vraiment qu'on arrive à se barrer de ce trou à rats. Donc c'est
quoi le protocole maritime standard en cas de raft et de détention sur un navire abandonné? On peut pas rester à rien faire. Il nous faut un plan. On retourne sur le Duke, on dégage d'ici vite fait et on quitte plus jamais la terre ferme. Cool comme plan, non? J'ai vu un de ces enfoirés enlever un truc du bateau. La tête d'allumage. Ça fait tourner le moteur. Sans cette pièce, le Duke of Milan n'est plus qu'une barque. On doit la récupérer. Pendant que ces idiots recherchent l'or de Mandchourie ou je sais pas quelle connerie à bord de ce gros cercueil ambulant, nous, on va en profiter pour trouver un moyen de se tirer d'ici. On dirait que quelqu'un a arraché la plaque du bateau. Mais qu'est-ce que c'était, ce bateau? Alex, j'ai vraiment peur. Mais c'est vraiment étrange. Je vais aller explorer la salle des machines. Danny, tu fouilles les soutes. Les soutes? T'es sérieux? T'as vu l'endroit? Merde. Les vis sont abîmées. Je me demande bien pourquoi ils l'ont abandonné. T'en penses quoi? J'arrive pas à l'ouvrir. Par ici. On peut peut-être la forcer et dégager d'ici. Ouais, c'est bien notre sortie. Est-ce que tu veux que je défonce ce mur? Ah ouais, bien sûr. Place au grand mâle musclé. Faut que quelqu'un fasse diversion. Ça va faire du bruit. Et attendez! Je crois qu'on devrait plutôt barricader la porte. Laisse-nous sortir, putain de merde!
bruit maintenant. Chut. Fais pas de bruit. Faut qu'on continue. Allez. On va forcément trouver des escaliers. C'est peut-être ça qui leur a foutu la trouille. C'est vraiment trop bizarre qu'ils aient tous disparu. C'est comme s'ils s'étaient tous volatilisés en laissant tout en plan. C'est pas possible, si. Ouais. Mais ça s'arrête jamais. Conrad va bien, tu crois ? Il est capable de se débrouiller quand il y met le sien. C'est pas vraiment une réponse. Oh bah, ouais, je pense que Conrad va bien. Oh, génial. Gros bateau, gros moteur. C'est quoi cet endroit ? C'est la salle des machines. Bon, il y a des trucs à récupérer par ici ? Non, c'est seulement un bon vieux tas de ferraille. Le Duke a un moteur plus récent, mais on doit récupérer la tête d'allumage. T'entends ça ? Ouais. Il y a un truc qui se déplace en bas. Hein ? Comme quoi ? Je sais pas si je veux le savoir.
Faut qu'on continue. Non. Non, là, je crois que c'est bon. Là, j'ai eu ma dose. Non, Julia. Non, je peux pas, j'y arriverai pas. Julia, il faut que tu te calmes. Allez, on y va. Dépêche-toi. Quoi ? Un orage ? Putain, on avait déjà assez de problèmes comme ça sans orage. Brad est toujours sur le Duke. C'est insupportable de pas savoir ce qui lui arrive. J'espère qu'il va bien. Il faut qu'on reste positif. En tout cas, ça fait beaucoup de gens qui ont disparu comme par magie. Je me demande où ils sont tous passés. Ils sont peut-être tous... Quatre doigts. Je crois qu'il y a un truc qui bouge là-bas.
la tête d'allumage du Duke. T'es sûr? Ouais, je suis sûr. Hudson! Je vais aller la chercher. Je vais aller la chercher. Ok. Vas-y, dépêche. Ok. Tu seras gentil de baisser d'un ton, mon gars. Ok. Faites attention. C'est pas vrai. Arrête de crier, j'essaie d'entendre ce qui se passe. Je crie pas! Ta gueule. Je veux savoir où sont les autres. On va les suivre tous. Faut pas les perdre de vue. Qu'est-ce qu'on fait? On était censé les suivre.